d'abord. Allez, on passe. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions pour savoir comment avez-vous pensé de cette semaine citoyenne. D'abord, qu'avez-vous pensé de cette semaine citoyenne dans ce que vous avez vu ? Alors, moi je l'ai trouvé très très riche cette semaine. Très riche en événements, avec beaucoup de qualité dans les productions qui ont été faites par les enfants. Une grande diversité aussi dans les productions. Hein, nous avons eu des concours, nous avons eu de l'affichage, des interviews, nous avons eu de la communication, de l'échange, de l'exposition, et en fait une diversité qui permet justement d'approcher un petit peu ce qui fait le ciment de la société aujourd'hui et ce qui fait le ciment de la communauté éducative. Accepter le regard des autres, accepter la différence et aussi s'exprimer en disant ce que l'on pense et dans le respect toujours de ce que pensent les autres. Pourquoi appelle-t-on ça une semaine citoyenne ? Parce que de temps en temps, il est bon de rappeler qu'effectivement, nous vivons dans une société où chacun a sa part. Et nous sommes des citoyens. Et chacun, en tant que citoyen, nous construisons cette société. Ça a été dur de préparer une semaine citoyenne ? Oui et non. Oui, parce que c'est toujours dur de faire quelque chose. Non, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs et des élèves qui, justement, allaient dans la même direction. Et ça, c'est pour moi très porteur. Donc, du coup, c'est aussi facile. Les professeurs vous ont-ils parlé de la semaine ? Oui, une semaine comme ça ne se met pas en place en claquant des doigts. Donc, nous avons eu plusieurs réunions ensemble pour préparer cette semaine, bien sûr. Chacun vient avec ses idées. Chacun vient avec ses propositions. Et justement, le travail consiste non pas à donner un avis sur ce que les autres font, mais justement à comment intégrer les projets, les idées qui sont apportées pour que ça nous donne un ensemble cohérent. Et c'est cette cohérence qui est travaillée. Le but de la semaine citoyenne, c'est l'échange. Oui. Mais est-ce qu'il pourrait avoir un autre but pour vous ? Je pense qu'il a aussi comme but que chacun se rende compte qu'on est une partie d'un tout. Et ce n'est pas une addition. 1 plus 1 égale 1, non. Hein, c'est le travail de l'un associé au travail d'un autre. On fait beaucoup plus que cette simple addition. D'accord. Merci. Merci à vous. Pour la semaine citoyenne aussi. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Bravo. Super.